Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, on est reparti pour une petite séance. On va laisser terminer, je pense, le composant avancé. Oui, on va le laisser finir. Hein. Et ensuite, on va se rajouter, on va mettre pas ça en boucle, le composant avancé. Je vais dire qu'il m'en faudra répéter jusqu'à en avoir 3. On va dire que c'est bien. Et on reprend arrêt quand satisfait. On reprend quand on n'en a plus qu'un. Maker, c'est parfait. Les composants, on va dire qu'on répète jusqu'à en avoir une petite quinzaine. Hein. Et on arrête quand satisfait et qu'il n'en reste plus que 10. Je pense que ça sera très bien aussi. Comme ça, on peut les laisser devant. Donc tout ça maintenant, ça disparaît. Bras, jambes. Donc on commence par avoir des composants. Des composants. Ensuite, on en veut des composants avancés. Ensuite, nous voulons une armure de reconnaissance. Qui va être faite par, bien entendu, Maker. 3 composants avancés, 80 plastes d'acier, 10 uranium. Ensuite, nous voulons un casque qui, lui, ne fait plus qu'un seul composant avancé et 30 plastes d'acier. Ça vous fait quand même 30 plus 80, 110 plastes d'acier par armure. Hein. Il y en a 8 personnes, enfin 7. Le coup de vraiment, normalement, n'aura pas besoin d'armure. Plus toutes les personnes qui reviennent, donc ça nous fait déjà 770, hein, 770. Donc nous n'avons de toute façon, comme vous allez, il nous manque déjà 220 places d'acier encore hein, pour l'instant. On finira par en trouver aussi. Je pense que c'est parfait. Je vais également modifier ceci. On va demander les fabricants manteaux, j'ai pas besoin, j'en ai encore, il me semble. J'en ai encore un ici. Oui, bon, ça va, c'est bien. Par contre, les guenilles sauvages, il m'en faut 4 uniquement en dromadaire, ce qui est le cas. Ok. Et du chapeau de cow-boy, je ne veux plus faire ça en tissu. Tissu, on va le garder aussi. Voilà, on va le faire en fourrure de loup, qui me rapporte quand même pour 1 degré de différence. Si vous regardez, donc ici, on a 7,2 de anti-perforation et 9 contre le chaud. Tandis que la fourrure de loup me fait 20,4 plus du contendant pour 1 degré de différence. Donc beaucoup plus intéressant. Et je lui ai demandé de m'en faire cette fois. Il ne m'en faut que 2, 4, 6, 7. 7 fois 25, 140, 175, bon on n'en aura que 6, mais bon on aura peut-être un loup supplémentaire. Hein. De toute façon on a d'autres types de châteaux, de chapeaux qui sont là. Bien, donc Maker me finit ça, nous allons avoir besoin également de refaire, certainement pas de casque, puisqu'on va faire des autres types, les autres types de casques. Détail, pourquoi est-ce que j'ai nouveau d'équerre ici, c'est quoi cette histoire? On ferme ça. Il me faudra du pistolet mitrailleur lourd aussi, bien entendu. On va déjà avancer un petit peu. Qu'est-ce que je voulais aussi? Oui, il faut absolument que je construise un truc comme ceci. Production, je veux une fonderie électrique. Ça, c'est important comme tout. Voilà. Alors, une chose importante, c'est celle-ci, bien sûr. Que je n'avais pas fait attention, mais si je l'enlève d'ici, ben non seulement les gens vont les moins vite pour récolter de nuit, mais surtout, et c'est ça le plus important, il y a un beaucoup plus gros risque de recevoir une infestation à cet endroit-là, surtout que le sol n'a pas été amélioré. Hein, donc, moins il y aura de structures, de trucs non naturels dans vos pièces, moins vous aurez de risques d'infestation dedans.
Au contraire, plus vous avez de choses qui restent naturelles, plus vous aurez de risques d'infestation dedans. Je ne parle pas de la température, si on est, on est en dessous de moins 17 degrés, à ce moment-là, vous n'aurez pas d'infestation non plus. Et également la lumière. Ne pas mettre de lumière va permettre d'avoir un peu plus souvent des insectes dans les endroits où il n'y a pas de lumière, bien entendu. Voilà. Donc, continue. Là, Libellule est occupée de me faire des pièges. Lui, Slan vient de nous annoncer que pour lui, il a peur de désinstaller, réinstaller les pièges parce qu'il pense que cela donne un risque. Vous avez un risque en désinstallant, en réinstallant le piège, de vous faire prendre dessus. Je ne sais pas où il était chercher ça. Je ne sais pas. On verra s'il donne une réponse à ce niveau-là. Mais pour moi, ce n'est absolument pas le cas. Tout me semble... Voilà. On va peut-être augmenter la vitesse, hein. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc au niveau, on voit toujours que notre seule batterie ici n'a pas de pépin. Elle tient parfaitement. Bien sûr, il fait une température magnifique dans chacune de nos pièces. On ne peut pas faire mieux. On va replacer un frigo. Une fois que j'aurai fait un petit peu mes appâts, là, on va refaire un frigo ici. Supplémentaire. Ou comme ça, on pourra enlever un petit peu le frigo de là. Puisque lui, il est sous... sous plafond fin, hein. Ok, donc notre ami est occupé de faire ce qu'il faut ici. Il me faut une chaise. On va prendre celle-ci. Je crois qu'elle est excellente aussi. Ouais. Une fois que Libellule aura un petit peu plus de punch au niveau de la fabrication, hein, parce que pour le moment elle est encore qu'à 17. On va attendre qu'elle ait 18. On commencera. Alors, on a l'assemblage monumental. Oui, c'est au féminin, malheureusement. Il y a, je crois, aussi une traduction spécifique que B606 a faite, supplémentaire, qui vous permet justement de bien travailler toutes ces petites choses. Comme, oui, là, c'est un problème. Là, il y a une faute d'orthographe flagrante, puisqu'on utilise le féminin sur un masculin. Mais il a fait quelque chose de spécifique à part. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop de la rajouter. Je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine. Bien, alors, ça nous coûte quoi, ça? 426 en pierre et 300. Parfait. Alors, tu me dis quoi? 8 x 15. Ok. Pour une valeur de 650. Il doit être terminé dans les 13 jours. Et on reçoit directement le truc à la fin de la construction. Bon, en tout cas, un fusil à pompe automatique, chef-d'œuvre, oui. Oui. Bien sûr, maintenant, il y a peut-être une surprise derrière ça. Hein, parce que généralement, il vous dit que vous devez le garder pendant autant de temps. C'est possible qu'on va fâcher des gens. Mais bon, moi, un truc comme ça, je vais l'accepter. Hein. J'ai 13 jours pour faire 400... pour faire 750 à peu près pierre. On a même un peu de bois pour compléter si on a besoin. Ouais, il faudrait 400 de bois, quoi. Ça pourrait se faire. On l'accepte. Bon, tu veux du 8 x 15, hein? Alors, du 8 x 15. Ça, c'est déjà du 11 x 11. Ouais, on pourrait le mettre là-dedans, hein. Pourquoi pas. Au 8 x 15. Et on ferait plus loin notre truc, hein. Donc là, j'ai du 11 x 11. Comment je fais ça, moi?
On va faire moins comme ça. Ouais. Bah, si on le fait comme ça, je lui rajoute. Je peux lui rajouter 6. Hein. Bon, j'ai dit 11 fois 11, mais là, du moment que j'ai 6 cases, que vous voyez 6 cases ici, donc du moment que j'ai que 11 de largeur, aucun problème d'effondrement. Là, j'aurai 16, on va faire sur du 17 alors, hein, déjà. Voilà. On va continuer ça. Je vais peut-être alors mettre quand même une petite loose, une petite lumière. Hein. On va s'ajouter une petite lumière. Petit lampadaire, on va mettre un petit lampadaire ici et on va voilà, plus du tout d'énergie, c'est pas sympa ça. Et on va se prendre une petite batterie, peut-être pas celle-là, non, on va prendre ça. Va se mettre ça ici. D'ailleurs, au lieu de faire ceci, pas besoin de gaspiller. On va prendre celle-ci et on va l'installer ici. Voilà. Ouais, c'est une belle petite. Bon, j'ai toujours que 12. Hein. Bon, il va vraiment me falloir aussi. Bon, d'équerre, c'est un lot qui va me faire du nettoyage après, hein, parce que là c'est un petit peu crade, mon petit. Hein. Alors, on a reçu le plan. On va le positionner après. Installer ça, mais là. Alors, je suis occupé de me demander si je ne ferais pas ici, je reculerais pas la porte là, ou que je pèterais le mur ici. Je crois qu'on va péter le mur ici, remettre une pierre, et peut-être que ça empêchera cette pierre-ci de sauter à chaque fois. Je sais pas. On va quand même essayer. Donc je vais rajouter dans ma zone. On peut tester, hein, de toute façon, ça ne bouffe rien, hein, comme on dit. Ça ne bouffe rien. Alors il va falloir aussi changer ces deux portes-là pour en faire des portes en fer. Pour qu'elles s'ouvrent beaucoup plus vite. C'est important, je crois. Tu as fini déjà une. Oui, il a fini. Une achevée. Ah ouais, j'ai peut-être fait une bêtise là. Tu me fais quoi là? Ok, ben finis ça et après tu reviendras pour finir mon truc. Est-ce que prêt à récolter? Est-ce que mes gens travaillent bien? Oui. Ils dorment en tout cas, ça c'est sûr.
Bon, ma mère est enceinte. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, il y a ces trucs-là à rajouter. Alors, par contre, ici, il faut faire attention. On peut rajouter ceci, mais on va maintenant modifier la zone. Un tramoros. Tac, et puis je veux pas que tu viennes par ici. Ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout aussi. Donc, j'ai ceci. Pour l'instant, je vais le fermer. Dès que, quand il y aura un peu moins de place, on commencera à faire ce qu'il faut. Gris dit, si tu fais ça, c'est bien. Vache aussi, ok, c'est ce que je voulais que vous me fassiez. Dan, lui, il s'est occupé de faire un petit peu de pierre, c'est parfait. Domptage échoué, alors qu'il n'y a que notre ami Dan qui en fait, si je ne me trompe, poing. Il n'y a qu'un seul qui me fait. Qui me fait le dresseur. Ouais, alors qu'il a 15 et il a réussi à échouer, quoi. Wow. Beau ça. Bien à l'eau. Alors, stop. On va tester ça. Maintenant, on va refermer la zone. Et on va tester ça, on verra après hein, si ça continue à sauter encore. À ce moment-là, on reculera cette porte-ci ici. Peu, hein. Ça, y a rien que ça change. Hein. Aurore polaire, ouais, c'est bien. Mais bon, c'est bien, mais c'est pas terrible, quoi. Alors, j'ai un petit pépin pour l'instant. Parce que je ne vois pas. Pourquoi le monsieur ne vient pas me faire ça? Je sais pourquoi il ne vient pas me faire ça, parce que comme d'habitude, je me suis gouré et j'ai demandé qu'il le construise, bien sûr, comme d'hab. Ça, c'est oui, effectivement, là, vous devez quand même faire attention à ça. Bon, hein? Très, très important, c'est pas des plus graves. Hein. On dirait que Randy nous fout un petit peu la paix. Incroyable le nombre d'animaux que cela ne s'est pris, quoi. Incroyable. Et c'est du non-stop qui s'est pris des animaux. Incroyable. Je n'en suis pas. T'as fini l'aurore polaire, mon ami.
On voit qu'on a un trou ici quelque part, vous voyez, il y a une petite différence là, ici il y a une petite différence, donc il doit y avoir... Ici aussi, il semble, on dirait qu'il y a un petit truc un peu bizarre. Parfait. Donc, maintenant, comment je vis Intramuros. Tu peux venir jusqu'ici. Et je t'enlève... je t'enlève. Abat-toi. Je sais plus où j'en suis. Allez, on enlève... Abattoir. Il y a un problème là. Intramuros. Ok. Retirer une zone. Intramuros. Ah voilà, ça y est. Voilà. Et on peut se remettre une ch'tite. Un petit piège. Ah, on va vérifier par ici, qu'est-ce que ça nous donne tout ça. Un vendeur de produits exotiques. Ah, malheureusement, j'ai rien. Rien à vendre, je crois. Pourtant, c'est magnifique, les produits exotiques, ça vous donne des schémas et des armes un peu particulières. On va aller voir ça. Jean, t'es où? Bon, ben, on peut te reposer quand même. On verra ça après. 50 pierres, c'est pas beaucoup. Oh, on a 6. 6 comme ça. C'est bien ça. On va pas oublier de faire ça, mon ami. La drogue, là. Ah, on pourrait la faire vite fait, quoi. Ok, Jean va faire un tour. Si jamais. Ah ben. Justement occupé de tirer des trucs. Des éléphants. Ah, ben je sais pas très bien pourquoi Dan veut des éléphants. Bon ok, 50 degrés, c'est bien. Mais il ne faut pas qu'il rêve, hein. Ça fait que 75 généralement quand même qui prendra. Vous pouvez le charger plus, hein, mais ça ne pourra se faire qu'en temps de transfert entre différentes colonies. Parce qu'il ne pourra jamais prendre que 75 maximum d'éléments sur votre carte principale. Il est extrêmement sale. Bon, il vit longtemps, c'est, hein, on dit bien entendu, c'est tout à fait normal. Il a un très beau DPS, effectivement. Mais à part ça, combien tu bouffes? Niveau de faim, 3.2, quoi. C'est deux êtres humains. Ils bouffent tout. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour récolter vos plantes. Et est-ce qu'il peut faire... il peut faire les deux. C'est comme un âne. C'est comme un âne, il peut faire les deux. Mais bon, il bouffe... Il consomme vachement plus que le... Que l'âne, hein. Vachement plus que l'âne. Ouais.
De toute façon, j'ai pas besoin de ça. Je peux vendre de la gelée d'insectes. Voilà, des composants avancés à 200 balles. Ouais, intéressant pour moi ça. Médicaments, si on n'a pas besoin. Un snowcliff. Alors, tu me vends quoi d'autre? Tu me vends du plastacier qui n'est pas très cher d'ailleurs, à 9,39. Il m'en faudrait 120 normalement. Ce qui me ferait 900 balles. Ça, c'est artefact. Ça, c'est excellent aussi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Parce qu'il vous permet de faire tomber quelqu'un dans les vapes, inconscient. Et vous pouvez comme ça le prendre sans le tuer, quoi. Alors. Façonnage de la chair. Ah, 2000 balles, je ne les ai pas. Ça, j'ai besoin. Exhausteur d'amour, modificateur corporel, surtout modificateur corporel et né esthétique. Voilà. Ça, c'est extrêmement intéressant pour moi. Il y en a des trucs intéressants. Bon, tout ça, on pourra les faire, hein, donc. De l'or pour le moment, j'en ai assez. Je n'ai aucune stupe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est pas les deux joints que je vais faire en plus qui va changer grand-chose. On va se prendre du plastacier. Moins que ça, bien sûr. Bah, voilà, 60 plastaciers. Il me vend pas de ça. Ah! Deux composants avancés. Le faire moi-même, ça prend beaucoup plus de temps, quoi. C'est ça le problème. Mais bon, je peux toujours y arriver, quoi, à les faire moi-même. On va vendre un petit peu de. Voilà, comme ça. Je veux dire 574, vous voyez, c'est pas cher payé pour un esclave, finalement. C'est pas cher payé pour un esclave, voilà. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et par contre, là, j'y arriverai jamais, hein. Donc là, je pourrais m'en prendre un. Ouais. Là, j'ai pas les sous pour le faire. Et je vois pas d'autres choses importantes à prendre. Bon, si je te vendais tout, il me resterait 720. Non, j'y arrive pas, hein. Je n'y arrive pas. Donc on fait ceci. Je vais me garder une environ ça, voilà. On va se garder à peu près 50 bidules de gelée d'insectes et je vais prendre du plastacier. Voilà. Parce que voilà, faire comme ça. C'est pas mal. J'accepte. Voilà. Donc comme ça, si on a quelqu'un de très intéressant, et on le récupère. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ici, est-ce que j'ai bien mis ardoise? Et ah, j'ai mis cardoise ici. Donc on va rajouter ardoise et le calcaire aussi hein, en boucle. C'est peut-être pour ça qu'il ne me fait pas tout. Et on met tout travailleur, bien sûr. C'est bon comme ça. Voilà. Oui, tout de suite, là, ça change. Ok, on peut encore mettre quelques pièges.
Un chaman. Oh. Ah! Ce coup-ci, j'espère qu'ils vont passer par ici, ou pas? Ou ils vont encore faire le tour? Là, ils sont beaucoup, c'est sympa, quoi. Avec des capybaras. Ne venez pas bouffer mes cactus. Rentre pas chez moi, toi. Le mec dangereux, ça. Normalement, il devra quand même bien avoir un ou l'autre qui va venir essayer de bouffer chez nous. Bon. On verra. On verra si on a un petit peu plus de chance que la dernière fois. Allez. Non, oui, non, non, oui, non, non. J'ai bien envie d'aller taper un mur ici, moi. Ça les forcerait à passer. Ah! Stop! On vient de terminer quelque chose d'hyper important pour nous. Ça, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se faire d'intéressant? Il y a les engins explosifs improvisés qui sont bien. Maintenant, il faut voir s'il faut du camp fuel ou pas, je ne me rappelle pas du tout. Parce que j'ai pas envie de faire beaucoup de camp fuel, mais je voudrais bien des engins explosifs improvisés. Mais bon, on verra. Ceinture à fumigène peut être intéressante aussi. Bien que quand on tire dessus, comme on est en groupe, nous autres, même si ça casse leur visée. Non, ce qui est intéressant pour nous, ça sera plutôt l'autre. C'est la. Où est-ce que c'est? Le bouclier d'énergie. Bouclier d'énergie. Bien que quand il tire à point blanc. Donc juste contre, quand l'autre vous tire dessus, mais qu'il est juste contre votre personnage, le bouclier d'énergie ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas, donc on est un petit peu embêté là. Ça, c'est pas urgent. Pour le moment, on se débrouille très bien sans médicaments. Je pense qu'on va. On va faire l'armure de commando. Ouais. On va faire ça. Il y a peut-être un ou l'autre qui va venir bouffer quelque chose. Qui va peut-être réveiller ses copains, je sais pas. Bien éclairé partout, hein. On a du 50 partout. Je dis, tu ne me sens pas très heureuse. Que se passe-t-il, ma jonglille? Ouais. On s'en fout. T'as tout ce qu'il faut pour être bien. T'as tout ce qu'il faut pour être bien. D'ailleurs, ça monte. Regardez la beauté qui est grattée à 100 là. C'est magnifique ce petit coin là. Bon, après, ça descend un peu, mais.
tonne de joie. Oui, vous devez toujours laisser aller votre plaisir jusqu'à 100 avant d'interrompre. Comme ça, vous avez, donc, comme je disais, des tonnes de joie. Et cette tonne de joie-là, elle dure, je ne sais pas. Voilà, ils se font tirer dessus, mais à part ça, ils n'en ont rien à cirer, quoi. Frénésie de travail grizzly, ouais. Il faudrait qu'ils se fassent toucher, quoi. T'es pas fait toucher, hein. Qu'est-ce que... Stop! Stop! Annulé. 1-23. Et... Un composant avancé, j'ai perdu cette place d'acier. Ça va. C'est pas bien, mais c'est mieux que ce que je m'étais fait avoir. Donc, tu as fini ton premier. Où que c'est qu'il est? Ici. Inachevé. Pour le moment, voilà mademoiselle, ça c'est une chose de faite. Voilà, marqué en reconnaissance. Ah bah les petits gars, vous venez de me dire bonjour, hein. Bon, allez, vous faites taper dessus les gars ou pas? Allez, toi. On va demander à Libellule de... On va ajouter une tâche. Alors, je veux recycler des armes. Et qu'est-ce que je veux recycler? En boucle. Détail. Donc là, je préférerais avoir n'importe qui. Je m'en fous totalement. Alors, je ne veux que... Les armes, on s'en fout, je prends tout. Je veux que ce soit les couteaux. Tout ça, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. J'ai pris une hache, j'ai vu Aikawa, j'ai pas de lance. Je ne veux pas les marteaux de guerre, surtout pas les marteaux de Zeus. Et les masses médiévales non plus pour l'instant. Ensuite, je veux pas bien entendu d'armes médiévales ni d'armes à distance pour l'instant. Voilà, ça c'est la première chose. Et on va le mettre en route, 700 watts. Est-ce que je peux me permettre de le mettre en route? Oui. Pour le moment, on voit que ça peut fonctionner. Donc logiquement, il va me récupérer un petit peu toutes les masses en, les massues plutôt en métal. Voilà, c'est Libellule qui s'en occupe. Et quoi? Les couteaux.
C'est bien, juste au bon moment. Dès que ça sera fini, ça sera le bon moment. Belle, couteau, c'est parfait. On va voir le couteau combien il me fait. Donc, on a notre armure de reconnaissance. Nous voulons un casque. Ok. Mais nous voudrions d'abord un. Combien ça me coûte de faire un fusil de précision? 750 de travail, 60 à 6-8 composants. Ok. Maker, tu vas me faire ça maintenant. Donc pour l'instant, on va couper un petit peu ceci. Pour l'instant, on fera le casque juste après. Je voulais juste voir combien me faisait un couteau. Voilà, on peut le savoir tout de suite. Le couteau, il fait 8 aciers. Comme vous l'achetez à peu près à 1,50, ça veut dire que là, j'ai récupéré 8 et 4, 12, à peu près 12 francs. Un couteau, c'est 12 francs, si on peut dire. Voilà. Un couteau, c'est 12 francs. Alors, on va aller à l'écran de recherche. On va stopper 2 minutes. On va demander maintenant de faire. Ah, l'armure de commando, hein, on y va. Alors, tout ce qui est prestigieux, c'est exactement la même chose que les normales, sauf que ça vous donne un petit peu de récupération psychique. Et donc, récupération psychique, et ça vous fait 2 fois plus de travail aussi. Et ça vous coûte de l'or, et ça vous coûte aussi plus de plasticine et d'uranium, si je ne me trompe pas. Alors. Nous avons fait ça. Libellule, tu me fais quoi? Tu te reposes, Libellule. Ben, tu vas pas te reposer comme ça, ma biche. Tu vas porter ça. Ensuite, tu porteras avec toi le master chapeau. Où est le master chapeau? Je vais avoir un master casque, normalement. Je ne trouve pas. Voilà le master casque. Je te prends un master casque. Voilà. Puis tu fais ça. Mais pas toi, c'est Maker qui me fait ça, ok? Et puis toi, tu actives ceci. Allez, commande, boy. Voilà. Ça, je fais pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne fais pas de caisse à outils? Alors, la caisse à outils, production. La caisse à outils n'est pas là. Elle est dans l'hiver. Voilà le prix de la caisse à outils. 200 acier pour l'instant. Ça vous donne quoi? Ça vous donne un petit 5% de vitesse supplémentaire. Si on regarde, multiplicateur de prix de vente, on s'en fout, c'est pas ça. Augmente la vitesse de travail. Voilà. Ça vous amène 5%. Donc, la vitesse, 5, gagner 5% de vitesse, je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Voilà. C'est tout. Pour le prix que ça coûte. Hein. Moi, j'ai besoin de métaux pour le moment. Donc, quand vous avez plus que ça à faire, oui, ok. Mais autrement, non. Ils s'en vont. De toute façon, je vais rien y faire. Caravane marchande de la Pacte d'Irgo quitte la colonie. Et en plus, tu vas de ce côté-là, mec. Bon, c'est bien. À part un raid qui viendrait du haut, je vois pas très bien comment on peut. Même du bas, non, ça pourrait peut-être venir. Voilà, qu'ils attaquent ici, mais quand même, c'est mieux le haut. Bon. J'ai besoin de pierre.
41 degrés, 13 décembre. On va bientôt arriver au printemps. Alors, Mekar, fais-moi quelque chose de bien, mon petit, de la même manière que tu m'as fait quelque chose de bien pour notre ami Libellule. Toi, t'as bien nettoyé tout ça, c'est bien, mais il y a encore un peu de boulot. Libellule, c'est bien. Il avait les couteaux, dis donc. Oh, regardez qui voilà. Voilà, qui voilà, oui, voilà. On va t'attraper, mon petit, t'inquiète pas. La grizzly qui a sa petite. Qui c'est qui va t'avoir? Dan? Ah, c'est Dan qui va te buter. Ah, tu vas aller bouffer. Hein? Tu peux pas bouffer, mec. Je pense que Grizzly va aller démembrer cette petite bestiole-là. Ah. Peut-être pas. Oui, normalement il devrait le faire. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est occupé de la porter au frigo. Donc il va y aller après. Et voilà. Eh bien messieurs, vous ne tirez pas beaucoup de galettes ce truc. Elle sera très bien là, notre monumentale bidule. Elle sera très bien là. Dis, j'ai pas eu au fait un flingue, moi spécial. Oui, hein, non? Ah non, c'est quand c'est fini seulement. Alors, on vient surveiller ceci que. Ouais, ça bouge beaucoup, hein. C'est 750 watts, si je ne me trompe. 700 watts, ouais, ça consomme, hein. D'ailleurs, on va un petit peu l'arrêter. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Pause. Une éclipse. Je sais plus ce que ça donne, éclipse. Oui, c'est rien. C'est pas une éruption solaire, donc ça va. Sauf que ça poussera pas. Bon, ben, à part que ça poussera pas ici, quoi. Mais... C'est à combien, vous autres? 53%. Et vous autres? Oh! 91, 74. 77, c'est bon. Ah, 74, tu peux pas. Donc, on va les faire manuellement. Récolter. Récolter. Récolte. On récolte. Récolter pour qu'il ne se tire pas pour rien. On récolte. Et le petit dernier, nickel. Le maker. Ah, ce coup-ci,
Souci, c'est idiot, c'est de ma part. Donc, je calque. Bien, mon enfant. C'est moi qui me suis fait avoir. Cette fois-ci, je ne peux plus utiliser ces petites machines-ci. Donc, on va la désactiver. Voilà. Étant donné qu'il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça, eh ben dis donc, vache tout ça. Pam, 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 pam. Pam, pam. Regardez ça, tourner à notre petit truc. Hein. Alors, 330 pierres. Mais on tient le coup ici, je suppose. Ouais, ça gonfle, hein. Ça reprend un peu d'ailleurs. Ça reprend un peu. Notre petit, nos petits animaux, tiens, un petit temps que je peux les regarder, hein. Alors, t'es pas encore. Bon, on a fini ça. On irait celui-là. Ensuite, on a un dromadaire, bébé dromadaire. Un dromadaire là. Et les juvéniles, encore 6 jours. Encore 6 jours. N'oubliez pas de me le rappeler, les gars. Hein. Les gars et les gonzes. Hein, ceux qui regardent, quoi. Oh, libellule d'équerre. Regardez, on va être un petit. On va les regarder. Ah bon. Alors, qu'est-ce que voilà maintenant? Ça me tombe juste sur la gueule. Alors, pardon, excusez-moi du terme. Raid d'une ruche. Bon. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Je pense qu'on va ouvrir la porte ici déjà. Parce que là, il y a. Il semble qu'il y en a encore beaucoup. On verra bien. Hein. Maintenir ouvert. Malheureusement, à libellule, ben, c'est pas. On va déshabiller, ma belle, hein, malgré que tu fasses l'amour. Ah, c'est con ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait au fait? Elle ne me dit rien. Hein? Ils attaquent immédiatement. Donc, c'est du. On sait ce que c'est. Voilà, libellule, tu stoppes. Tu stoppes et tu vas. Ben écoute, tu vas. T'es comme ça, t'es habillé. T'es bien habillé, tu vas te prendre une masse en uranium. Voilà. Tu vas te faire un petit peu de mêlée. Comme ça, j'ai pas besoin de te changer. Tu viens là. Et c'est toi qui vas recevoir les coups. Donc on vérifie. Libellule est au milieu. Grizzly à gauche. Necker là derrière avec un flingue. Dame et Allo. Allo est là. Donc Dame, tu vas venir ici. Ensuite, vache. Donc on avait Becker. Becker, il venait ici. Vache, elle vient ici. Et Maker, il vient là. Je pense qu'on a fait tout le tour, les enfants. On va regarder ce qui va nous tomber dessus. Ils foncent, hein, les gamins, là. Ah. C'est quoi, ça? C'est tous des faucheurs. 1, 2, 3 et 4. Ils vont vite, quoi. Bon.
Ils attaquent climatiseur. Panneau solaire. Bassin hydroponique. Je pense pas que j'aurai le temps de les récupérer au vol. On n'y arrivera pas. Donc, on va faire un petit peu différemment. On va se positionner ici, dans la porte. Donc ça change tout. Chauffe, tu restes là, mon gars. Tu recherches, ok. Libellule. Tu restes ici. Vache. Tu viens ici. Ou ici. Maker. Maker, tu viens là. Bam. Ah, j'aurai pas le temps d'arriver jusque là, ça c'est sûr. On est obligé d'attaquer des... Il n'y en a que 4, hein. Bon, c'est 4, hein. C'est d'un seul prix hein, quand même ces trucs, hein. Mais c'est d'un seul prix ces gens-là. Ouais, 4 joueurs. Trop plus rapide que moi, même s'ils vont là-dedans dans le truc, c'est... C'est foutu. Decker. Tu vas tirer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allô. Toi, tu vas pas... Donc, on va ouvrir la porte ici. Et c'est Libellule qui va venir ici. Et puis elle va reculer. Voilà. Dommage qu'elle ne peut pas tirer, malheureusement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre, hein? Alors. Donc j'ai 1. J'ai 2. J'ai Dan. Ça c'est Libellule. J'ai Dan qui est là. J'ai Allo qui enfile un casque. Et j'ai Maker. Donc tout le monde est là. 3, 4, 5, 6 en bas. 2, 4, 6, 8. Il m'en manque un. Hein. Libellule. Grizzly. Voilà. Ok. Mais Maker, il est ici. Bon, malheureusement, on va avoir un peu de dégâts là. Tac, panneau solaire. Mais on va pouvoir tirer dessus quand même. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas là. Attaque à l'eau, ok. Attaque à l'eau. Attaque les bellules. Attaque à l'eau.
Ok, allô? Tu viens prendre un flingue, parce que là tu vas servir à rien du tout. Ok. Et tu reviens là. Ma porte est bien ouverte. Ma porte est bien ouverte. All right. C'est parti, mon kiki. C'est pour ça qu'il faut toujours que vous prévoyez, enfin, si vous voulez faire comme moi, du body blocking, hein, de prévoir à plusieurs endroits différents des petits couloirs comme ça de sécurité, hein, avec 3 sur 3, quand vous aurez un peu plus de monde. Voilà. L'escalope peut tirer. Oui, il peut tirer. On va un peu regarder. Bon, vous voyez que ça, c'est bientôt abîmé, mais on va un petit peu regarder, par exemple, Maker, quelle est sa possibilité de tirer. Donc, on voit ici qu'il a 78%. Vache, elle a 78% aussi. Si on va plus loin, ça diminue un peu, mais bon, ça va. Allô, il a combien? Il a 65 et 54 là. Et Decker, il a un bon petit 74. Oui, donc il a vraiment des bonnes chances de toucher. Ils ont tous des bonnes chances de toucher. Toi, tu fais quoi? Tu viens attaquer du Jordan, c'est parfait. Petit dernier. Et voilà. Enfin, je crois. Je vais dire que cette fois-ci, c'est une réussite totale. Totale. Alors qu'on a été pris au dépourvu quand même. Hein. Et vachement qu'on a été pris au dépourvu. Eh bien, je ne suis pas mécontent, mes petits-enfants. Je ne suis pas mécontent de moi du tout. Alors, au niveau du truc, on n'a rien perdu en plus. C'est génial. Par contre, je perds un peu d'énergie, il faut que je fasse attention ici. Ouais, il faut qu'on finisse ceci assez rapidement. Alright, donc, eh bien, messieurs, mesdames, je vous remercie de votre participation. Vous pouvez tous retourner dans votre petite vie tranquille.